Bienvenue dans cette présentation de Map la Medicine Tree. Version 1. On va faire un petit tour. Là. Je suis au point de vente en haut, à Coop. Des gros silos, gros silos. C'est vraiment une map agriculture. Avec des beaux petits champs. Ça, c'est plus un point de vente, ça, ici. Point de vente. Puis les achats de. Des engrais. Non, ça, ça sert à rien. Ça, ici, fertilisant. Roundup. Roundup. Produit plus vendu dans le monde. Bon, où est-ce qu'on sort? Non, ça, c'est point de vente. Point d'achat des animaux. Point d'achat des animaux, les amis. Ok. Ok, ok. Il y a une petite ferme ici. Une petite ferme pour les vaches. On a le silo. On a le silo à fermenter. On a le silo pour sécher nos grains. On a la ferme. Les animaux sont à l'extérieur. À l'extérieur. Ici, on a le champ 61. C'est lui, ici, le champ 61. Ouais, c'est lui, là. Non, 61, c'est lui, là. Bon, on a tout le carré ici, les amis. On a tout ce carré-là. On a tout ça ici, avec les champs pas loin. Les champs sont pas ce qu'il y a de plus carré. Ils sont même très détaillés. Ils sont même pas trop grands. Ils sont juste bien, en plus. Ça a bien du sens. Parce qu'il est supposé avoir trois fermes. Là, il y en a une, là. On va essayer de trouver l'autre ferme. On va essayer. Au pire, je vous la laisserai la découvrir. Un autre silo, ici. Il n'est pas sa carte. Ça veut dire qu'il faut acheter. Ah, là, voilà. Voilà la ferme que je pensais. Il faut acheter, c'est elle, cette. Ça veut dire que c'est un autre silo. Un autre silo pour sécher. Ouais. Un autre silo pour sécher. Cher la ferme. Elle coûte cher. Hein? On peut pas commencer avec ça. On commence avec 100 000. Je pense parce que j'ai cheaté un peu la game. Un beau grand gars. Le garage. Le champ. La maison avec un étendu d'eau. Puis je vais finir avec la. Où est-ce qu'on. Quand on commence nouveau fermier, on commence en bas. On commence en bas au champ 13, en bas complètement. Une map avec une cinquantaine de champs. Aucun carré. 65 champs, excusez. 68, 70 champs. 70 champs, les amis. Après ça. Points de vente, une dizaine de points de vente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de vente. Un petit peu de compétition. On va sûrement en manquer pour quelques produits. Ça fait la différence. On va se spawner à la ferme principale, les amis. C'est ici que, quand on commence une partie nouveau fermier, c'est ici qu'on apparaît. On a le coin des vaches. Si t'en avais. Ça veut dire qu'il y a deux fermes laitières. Il y a deux fermes. Il y a deux fermes. Il y a une ferme pour juste les grains. Bon, on a trouvé la fumière. Puis, le lisier est là. Le lisier est là. Bon, bon. Un garage. On a les silos à grains.
Ça ici. Il nous faut ça. Il est fourni. Il y a un pack mode fourni avec la map. Il est très bien. Il nous faut ça. Le petit bleu ici, on le met en dessous, puis l'autre, le gros, c'est pour aller par-dessus. Les amis. Le matériel. On va faire le petit tour du matériel. Le matériel de base, la barre de coupe, c'est du John Deere, les amis. Vu que c'est une ferme un peu céréalière et fermière, il n'y a pas grand matériel. Le cun, le horch, la barre de coupe, la petite moissonneuse, l'agro-liner, les deux John Deere, bien sûr, hein. 62-30, puis le 61-55, deux scissaires, un système, puis un scissaire. On commence avec ça. C'est pas du gros matos. Là, d'après ce que j'ai vu, la ferme ici, c'est la moins chère. Après ça, vous pouvez acheter celle-là ici, la deuxième moins chère. Puis après ça, si tu veux faire juste la récolte de grains, c'est ici. Mais c'est la plus chère. C'est la plus chère, mais la plus chère, t'as pas de champ. Ici, t'as deux petits champs. Après ça, la 61, ici, t'as un champ, puis après ça, t'as des pâtures. T'es bon pour t'en sortir, pour commencer, comme on dit. Et ça a bien du sens. Ma course, c'est 30 à moi. C'est ça qui est ça. Bon. Quelques points de vente. Tout est pas mal regroupé ensemble. Un point de vente pour le lait. Ouais, belle petite carte, les amis. J'avais vu quelques vidéos sur cette map-là. Il n'y a pas de zone pour installer du matériel, par exemple. Je vous le dis tout de suite. Si vous installez du matériel, il va falloir que vous déformez vos champs. Belle carte. L'allure est belle. Belle carte, un style américain. Je ne sais pas c'est quel coin. J'ai essayé de trouver de l'information. J'ai rien trouvé. Puis, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci beaucoup. Puis, à la prochaine.